Ok, juste avant que la vidéo commence, est-ce que je peux vous demander un petit service? C'est d'aller me suivre sur Instagram. C'est alicia-ytv. S'il vous plaît, allez le faire. J'ai pas posté pendant un an sur Instagram, du coup j'ai perdu les 10 000 abonnés et je suis dégoûtée parce que je peux plus faire de swipe up. J'aimais trop les swipe up. Si vous avez genre 2 secondes, vous allez sur Instagram, vous allez me follow et genre. On devient pote, on devient amis. Je vous fais regarder la vidéo maintenant. Bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sympathique, la vidéo du vendredi. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur mes résultats du baccalauréat. Vous l'imaginez bien, ce ne sont pas les résultats du baccalauréat 2021 puisque j'ai passé mon année mon bac en 2020. Enfin, je voulais réagir à mes résultats du bac en direct, mais du coup j'avais pas fait cette vidéo l'année dernière pour les raisons que je vous ai citées dans une précédente vidéo. Je pense que vous savez pourquoi. Maintenant je la fais un an après parce que c'est aussi une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé par rapport au bac. Si ça vous intéresse, parce que vous êtes des petits curieux, on va pas se mentir, et bah cette vidéo est faite pour vous du coup. Je pense que vous le savez maintenant, mais les 2002, c'est vrai qu'on a eu un bac assez spécial. Beaucoup diront que c'était la facilité, c'est vrai. En soi, on l'a fait en contrôle continu, mais néanmoins j'ai quand même passé les épreuves anticipées du bac. Voilà, mais vous serez bien sûr en fin de vidéo. Pour le watch time, t'inquiète. Donc du coup on va commencer par les premiers résultats qui étaient les épreuves anticipées du bac. Français écrit, français oral et sciences. Sciences, donc moi c'est SVT et physique chimie ensemble parce que bah, j'étais en ES, du coup bah je passais les sciences en première. Donc en français écrit, j'ai eu 16 sur 20. J'avais pris le commentaire. Je voulais prendre, vous savez, l'écriture comment ça s'appelle déjà? Waouh. Mais quand j'ai vu que c'était un poème, je dis, ah frère, non. Commentaire composé, c'est mes repères en fait. Ensuite, français oral, j'ai eu 14. Je me rappelle qu'à l'oral blanc, j'avais eu genre 18,75, un derrière comme ça. Et je me suis dit, vas-y, le bac, l'oral du bac, c'est les doigts dans le nez et tout, machin. Et au final, je suis tombée sur un de mes textes préférés et j'ai quand même eu 14. Voilà, mais c'est bien, c'est bien, bien. Et en sciences, du coup, franchement, je me rappelle du bac de sciences. J'ai vu les réactions et beaucoup l'ont trouvé simple. Donc j'ai eu 17. Voilà, on va passer au TPE, les TPE bien évidemment. On a eu avec mon groupe 18 sur 20. On avait fait une présentation sur la publicité, le marketing, machin, bah un peu sur le thème de mes études là, enfin que je vais faire du coup en septembre. On avait fait, je me rappelle, une mise en scène. Il y avait une community manager, une directrice genre de parfum, enfin genre d'entreprise, et une influenceuse. Donc moi j'étais l'influenceuse, Fanny si tu regardes ces vidéos, community manager, et Lily que vous connaissez maintenant était la directrice d'une entreprise de parfum, un truc comme ça. On avait fait un book et tout, enfin bref, c'était genre vraiment, je me rappelle, c'était grave des bons souvenirs. Et franchement, 18 carré, hein. Carré. Ensuite, on va passer au résultat du baccalauréat, du coup, de bah, genre sur les matières principales. En premier, nous avons histoire géographie, un petit 15 sur 20, COEF 5, ma foi. J'avais une prof assez cool, même si c'était beaucoup le bordel. Ensuite, mathématiques, COEF 7, 17. Alors ça franchement, COEF 7 en plus en ES, franchement je suis grave contente parce qu'en fait je fais maths P. Donc COEF 7 pour maths et COEF 7 pour SES. Si mon prof de maths, vous regardez cette vidéo là, merci beaucoup parce que vos cours ils étaient vraiment géniaux. Oh là là. Oh là là. En SES du coup, 14 sur 20. Je m'attendais pas à plus, je m'attendais pas à moins. Enfin, si, peut-être que je m'attendais à moins. La SES a jamais été une matière que genre j'ai aimée parce que c'était vraiment mais barbant. S'il y a un mot pour décrire la SES, pour moi c'est vraiment barbant. J'ai pris ES de base parce que je me suis dit que S, ça allait être trop de maths, trop compliqué, trop scientifique, c'est pas mon délire. L, trop de français, de Shakespeare, de Molière, tout ce que tu veux, non merci. Je me suis dit ES c'est un peu genre le milieu, l'entre-deux, tu sais, hein, pas la normalité mais genre juste l'entre-deux. Bah, du coup on a eu SES quoi, mais c'est un peu la matière principale, mais genre vraiment c'est bah c'était je crois une matière que je détestais le plus, hein, je vais pas vous mentir. Nous avons LV1 anglais. Toute ma vie, s'il vous plaît, l'anglais, j'aime tellement cette langue. Si je pouvais aller vivre aux États-Unis, quoique là c'est peut-être un peu chaud. Bon, en tout cas, partir aux États-Unis au moins quelques années, ça serait incroyable. Et l'anglais, c'est genre vraiment. J'adore l'anglais. Je sais pas si je l'ai dit, mais en fait, bah oui, je travaille à Burger King. Et à Burger King, il y a des gens qui parlent pas tous français, donc du coup, je parle en anglais avec eux. Et c'est genre le Saint Graal, genre vraiment j'adore. Et en anglais du coup j'ai eu 19, j'avais déjà dit ça dans ma vidéo mukbang avec Lisa. J'ai toujours eu des résultats plutôt constants en anglais parce que bah j'adore ça. Et j'étais en anglais euro, encore mieux pour, bah, pour s'entraîner avec l'accent, avec les euros etc. En plus mon prof de terminale était incroyable, vraiment si vous passez par là pareil, merci d'être vous. LV2 espagnol, 16 du coup, COEF 2. Alors franchement l'espagnol à l'époque, Tah Violeta, ma vie. Genre vraiment je crois que je préfère même l'anglais, l'espagnol, quoique, je sais pas. Mais franchement, j'avais une période avec Violeta où genre, en mi mundo, siendo lo que soy, là, toute ma vie, vraiment. En fait, dès que je suis rentrée au lycée, je pense que l'espagnol, ça m'a juste genre saoulée. Alors l'espagnol, ça a l'air d'être une langue trop facile, mais en fait, je trouve ça dur. Je pense que c'est juste une langue que, pas que j'aime pas, mais genre,
je suis pas à l'aise avec. Mais pourtant 16 c'est bien en vrai de vrai, parce que genre l'écrit etc, genre c'était des trucs faciles un peu, c'est toujours tu rajoutes des petits a des masses entonces, c'est bon, tu sais grailler les points. Donc du coup grailler les points. Je pense qu'au bac d'espagnol, je sais pas si j'aurais eu cette note. Bah non mais attends, on a passé les épreuves d'anglais et espagnol. C'était en terminale qu'on a passé les épreuves. Et du coup elles ont compté les notes? Ou ils ont pris les résultats continus, les contrôles? Je crois qu'ils ont pris le contrôle continu. Bref, j'ai eu 16 en espagnol et c'est bien, c'est carré. Alors philo, j'ai eu 15 sur 20 coef 4, mais que ça fait plaisir. Toute ma classe, avec, on était paumés, genre vraiment la philosophie c'était dur, tu vois. Genre si t'as pas l'esprit pour et la réflexion qui va avec, genre c'est complexe, genre pour de vrai. Ensuite du coup, prochaine matière qui est l'EPS. Pourquoi je me souviens pas de ce que j'ai fait en EPS? Je vous marquerai sur l'écran mes sports parce que genre vraiment je m'en souviens pas du tout. Mais en tout cas j'ai eu 17, donc bah c'est cool. Je sais pas... Ah ça me... Mais hey, j'ai une mémoire mon pote, t'as peur. Ensuite on a DNL, j'ai eu 17. Je faisais DNL histoire géo. Je sais qu'il y avait eu une évaluation pendant le confinement, un espèce d'entretien pendant 10 minutes. Tu faisais genre un compte rendu sur un thème et les autres 10 minutes c'était un entretien, bah, ce que tu voulais faire plus tard, comment, enfin bref, comment tu vis le confinement et tout. Oh, il y a un beau soleil, sunshine baby. Du coup mon total de points, 599 sur 700, c'est vraiment carré en bas. J'ai rien dans mon vocabulaire à part carré. Tout ça mesdames et messieurs, ça nous mène à une moyenne générale de 16,63 sur 20. Donc ce que j'avais vécu l'année dernière n'a pas impacté sur ma scolarité du coup, parce que mine de rien le bac, l'école, c'est toujours été un truc qui était hyper important pour moi. Vous qui passez bientôt le bac, les 2003, j'espère que, ou 2004 ou même 2002, ou 2005, bref, j'en sais rien. Si vous avez genre des questions, des trucs, des conseils que je peux vous donner, n'hésitez pas à venir m'en parler, m'en faire part sur Instagram. J'essaierai de vous aider comme je peux. Je suis pas non plus la meilleure placée pour pouvoir vous aider, étant donné que moi je l'ai passé au contrôle continu. Mais bonne chance à vous en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que votre curiosité a été assouvie. Et moi je fais de Trago Bizzoué, je vous dis... Ouais, je m'assalive. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!